Donc nous allons commencer ce cours en abordant la fin de la deuxième partie de l'œuvre. Et qui est-ce qui va se jeter à l'eau pour nous expliquer ce que l'on fait depuis le début? Il n'y a qu'une action depuis le début qui est toujours la même. Ça tient donc en un verbe puisque seul le verbe est porteur d'action. Quelle est cette action, s'il vous plaît? Oui, Laurent. Épurer naturellement, voilà, par des voies naturelles. Et quelles sont-elles? D'un côté, on unit, de l'autre côté, on sépare. Ce qui se dit comment en latin? Voilà, solver, dissoudre, et coagula. Alors, c'est très bien parce que c'est le résumé le plus succinct, le plus précis, le plus complet, et on n'a besoin de rien d'autre. Ça veut dire qu'on n'a pas à mettre la main sur les matériaux en réalité. On n'a pas à proposer autre chose que ce qui est mis dans le creuset au début. C'est-à-dire trois individus dont l'un est parfaitement minéral et les deux autres sont étagés. 100% minéral, 50% minéral, 100% métallique. Donc 50% minéral, 50% métallique. Donc étant donné cette particularité, comment classeriez-vous ces êtres de la nature en commençant par celui qui est 100% minéral? Parce que la vérité, c'est généralement se débarrasser des erreurs, et je vous l'ai dit lors du premier cours. Didier pourrait faire une vérification. Hein? Donc il importe de faire ce travail, on sépare et on agrège. C'est-à-dire dissoudre et coaguler et rien d'autre, parce que la méthode qui vous est donnée, elle est valable dans tous les domaines, c'est toujours la même chose. Ainsi, la vie qui s'en va chez l'homme, c'est une dissolution. On voit le cadavre, si vous supportez ça, pendant 8 jours, il va passer son temps à se dissoudre, littéralement, jusqu'à ressembler à un bouillon gras et disparaître dans la terre, parce que c'est ça un cadavre, il ne restera que des os blancs. Ça veut dire que c'est raté, sinon il serait rouge. Pour faire une blague. Sachez quand même que je donnerai des précisions quand on me posera des questions sur cette dernière partie. Je vais en donner une avant. J'ai dit tout à l'heure que c'était le seul instrument de musique capable de faire des notes justes. Et c'est là que ça intervient puisque dans la dernière cuisson, l'ultime, celle que je viens de sous-entendre en quelque sorte, pour perdre de l'énergie, ce complexe matériel va s'ouvrir par moments et laisser s'échapper ce qu'on appelle une sibilation. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est un son qui est entre le sifflet humain et un poussé d'archet sur une corde de violon. C'est peu audible, mais c'est très largement suffisant pour entendre la note. C'est-à-dire qu'entre la première note et la deuxième, si l'écart est correct, vous ne faites que moduler votre feu pour que toutes les notes soient correctes. Ça marche. La seule personne qui ait navigué dans l'occultisme sans jamais toucher de cette manière, c'est notre ami Albert Auguste Cochon de Laparent, savoir Fulcanelli. Il a même repoussé très vigoureusement les personnes qui se mettaient à délirer dans ce domaine. À savoir son dessinateur favori à l'époque, Jean-Julien Champagne, qui abusait d'un peu de tout et notamment de la fumée, des femmes, ça c'est son problème, mais de l'alcool aussi, allait à des réunions, etc., jusqu'au jour où il s'est retrouvé avec une difficulté existentielle grave, sa jambe gauche a été gangrénée. Et la sœur de Jean-Julien Champagne, qui connaissait la personne de Fulcanelli, a demandé à celui-ci, est-ce que maître vous pourriez, pour mon frère, etc. Mais, Fulcanelli a dit « Votre frère a négligé Dieu tout au long de son existence. Il a abusé, il paye, je ne peux rien pour lui. » C'était réglé, il n'y avait rien à faire. Au lieu de s'amuser, il aurait pu travailler. C'était discrètement lui rappeler la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Hein. C'est-à-dire, ceux qui œuvrent, ils récupèrent toujours. La seule manière réelle de s'ennoblir sur la terre, c'est de travailler. Les animaux, eux, ils ont un phylum qui les, fort heureusement, leur épargne ces choses, sauf les animaux qui sont entraînés par l'homme, c'est-à-dire les animaux de labour, de charge, etc. Mais quelqu'un qui ne travaille pas tout au long de sa vie n'a aucune chance de sortir de sa misère constitutive.
Il ne peut pas devenir le deuxième homme qui lui a été promis par... Toutes les religions sont comme ça, d'ailleurs. Le bouddhisme, qui n'est pas proprement parlé une religion, en fait état quand même. C'est-à-dire que le fait d'avoir l'unité, si je puis dire, de conception et de description, c'est quand même une chose importante qui plaide d'une part en faveur de la connaissance ancienne d'un seul tenant, d'une seule espèce sur toute la planète, et ce qu'il en reste, même, c'est fractionné.